Lorsque je me suis réveillé le jour où je suis allé donc chez le dentiste pour me faire extraire les dents et mettre en place une prothèse dentaire, j'avoue que j'avais une appréhension. Celle-ci augmentait de plus en plus lors du trajet et dans la salle d'attente, mais j'étais accompagné de mon épouse donc qui m'a soutenu tout le long. Le dentiste m'a rassuré, m'a expliqué ce qu'il allait faire et comment il allait le faire et pourquoi il allait le faire, ce qui a engendré l'état de mes dents et pour quelles raisons il a fallu donc en arriver à cette solution. J'avoue que la nouvelle a été inquiétante, à ne pas savoir où j'allais être dans cet inconnu de prothèse dentaire. Mais le dentiste a bien joué son rôle de dentiste et a bien expliqué comment ça allait se passer. Donc j'avoue que ça allait. Le retour après tout cet entretien et puis l'extraction des dents à la maison a été normal. On en a discuté avec ma femme, puisque le projet derrière c'est de mettre des implants, mais c'est pas le cas de tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, je reconnais que je suis soulagé de l'avoir fait parce que c'était vraiment difficile. Et avec le recul, je regrette absolument pas. Si je regrette peut-être une chose, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Donc je suis heureux de l'avoir fait et je suis heureux de pouvoir au jour d'aujourd'hui manger correctement. Voilà.